Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Raindrop, truck, top, top, smoking, no cook in the hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that, that, that. Looking up, open the park, pot, pot. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Hey, salut à tous! Alors, petite vidéo. Tada! Avec plein de calendriers. Hop, comme vous pouvez le voir. Donc, ça va être une vidéo où je vais vous montrer plein de calendriers. Hop. Et je vais en fait vous les présenter un par un et dire quels sont les meilleurs. Donc ça c'était les chips vs un calendrier à 50 balles. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, let's go. Alors, on va commencer tout de suite par un petit comme ceci, voilà, de Favorina avec une, je crois que c'est pour financer les handicapés. Donc on a déjà ouvert les 4 premiers, comme vous pouvez le voir. Donc celui-là je vais pas le goûter, mais voilà. Voilà. Ensuite, le deuxième. Hop. Ça, c'est un classique aussi, voilà. Tout simple. Dites-moi dans les commentaires si vous avez les mêmes calendriers que moi ou pas. Alors, du coup, celui-là, on n'a pas ouvert le 4. Où est-ce qu'il est? Hop, juste ici. Hop. Hop, voilà, je vais vous montrer. Hop, YouTube is beauté. Hop, petit chocolat. On va le manger tout de suite. Du coup, let's go pour manger ce petit chocolat. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ok, bon, il est très bon, c'est classique. Hop, on va tout de suite continuer. Donc celui-là il était très bon, c'est un normal en fait. On continue avec le deuxième. Encore un petit classique, voilà. Vous connaissez ceux-là, c'est des petits motifs sympas qui vendent un peu partout. La marque Windel, juste derrière ici. Et lui, je crois que c'est pareil. Ouais, c'est pareil, la même marque. Hop. Alors celui-là, on a déjà mangé le 4 aussi. Mais vous inquiétez pas, il en reste encore 2 où ils sont pas du tout mangés. Et après, il y a le Fortnite. Hop. On va continuer avec le Grinch. Alors, c'est parti. Hop. Hop, donc c'est parti pour le Grinch. Hop. Alors, le numéro 1 juste ici. Hop. Oula. Regardez-moi comment il est bizarre. C'est une petite cloche, sauf que vous voyez qu'il y a du blanc. Attendez. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est du chocolat blanc ou pas. Hop, on va le goûter tout de suite. Oula. Ah non, ah non, non, non. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça se trouve, c'était peut-être juste le premier. On va refaire avec le deuxième. Mais en attendant, le premier était dégueulasse. Hop, juste ici. Ok, lui, il est pas blanc. Peut-être qu'il est pas périmé, je sais pas. C'est un petit Père Noël. Attention. Ça passe. Pas ouf, mais ça passe. Je vais prendre un peu d'eau parce que c'est dégueulasse. Bon, en vrai, c'est pas ouf. Je pense qu'on va s'arrêter là avec ce calendrier de merde. Honnêtement, il est joli. Je trouve qu'il est très beau comparé aux trois autres d'avant. Regardez, eux, c'est des motifs classiques. Mais le Grinch, c'est vrai qu'il est quand même très beau. Mais par contre, à l'intérieur, c'est pas ouf. C'est quelle marque? BBB. Après, ça se trouve, les chocolats, ils sont bons. Peut-être juste moi qui aime pas. Voilà, le derrière, on peut même enlever ça pour l'accrocher au mur, comme ça. Et il y a aussi des petits trucs derrière. Hop, je l'ai cassé, c'est pas grave. Ça finira la poubelle, de toute façon. Hop, pour mettre comme ça, et hop, on le met par terre. On continue avec le troisième. Enfin, le quatrième, en fait. Et regardez-lui. Est-ce qu'il est pas beau? Il est magnifique. Hop. Donc c'est encore BBB, donc j'espère qu'il est bon. Hop, le petit dos, voilà, avec un petit truc. J'espère qu'il est bon, les gars. Putain, mon masque.
Alors, le numéro 1, il est juste ici. Hop, on va l'ouvrir tout de suite. Hop, c'est encore un rond. En fait, je crois que eux, c'est vraiment cheap. C'est vraiment cheap. De toute façon, je vous ai dit, c'est calendrier de merde vs calendrier de pro. On va dire, les trois premiers, c'était des bons faits maison. Oh, regardez la cloche. Oh là là, c'est dégueulasse. J'ai pas envie de manger ça. C'est la même marque. Ah. Ah. Oh putain, j'ai envie de ma mère. Heureux, je suis allé au shot. J'ai bien chié. Enfin non, je rigole. Je rigole, j'ai pas chié. En fait, je voulais dire que j'ai bien... je l'ai jeté à la poubelle en fait. Il est dégueulasse. Bah, c'est le même que le Grinch en fait. C'est la même marque. Et ils sont tous ronds en fait. Ils sont tous ronds. Et c'est pas bon en fait. Donc je sais pas s'il y en a qui ont ces chocolats, mais n'achetez pas ça. Du coup voilà, je vais vous la montrer un peu avant de passer à Fortnite. Hop, le premier, voilà. Un petit repas avec plein d'animaux. Un petit coloriage derrière, hop. Celui-là je l'ai pas goûté, peut-être plus tard. Ensuite on avait lequel? Le pingouin, voilà. C'est la même marque que le lama que je viens de goûter devant vous. Le lama. Celui-là c'est le meilleur en attendant. Parce que je pense que c'est les calendriers que vous avez dans les magasins, mais les bons calendriers. Alors que celui-là c'est les beaux calendriers, mais les mauvais. Voilà, donc c'est pas bon. Honnêtement c'est vraiment pas bon. Et on passe au gros. Hop. Tout ça on en a plus besoin. Et on va passer au Fortnite. Hop, donc voilà, j'ai enlevé l'emballage qui est au-dessus. Et hop, comme vous le voyez, il y a tous les numéros. J'ai déjà ouvert les 4 premiers. Je vais essayer d'aller vous les montrer. Je reviens tout de suite. Relais mecs. Donc le petit calendrier qui est juste là. Je vais vous montrer un par un. Je vais pas tous ouvrir quand même. Hop, on va commencer par le numéro 1. Hop, juste ici. Hop. Il y a l'emballage. Hop. Et voilà. Donc c'est pas vraiment des pop. C'est la marque Funko. Mais il me semble qu'à aucun moment il y a marqué pop dessus. Donc Funko c'est ceux qui font les pop. Mais ouais voilà. Regardez. C'est les pin size. Donc c'est pas vraiment des pop. Mais on peut dire quand même que c'est des mini pop. Donc voilà. Ils sont très 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 bien faits. Honnêtement c'est, je crois que c'est les meilleures figurines Fortnite qui ont été faites. Parce que toutes les petites figurines des marques, genre les petites figurines et tout, elles sont vraiment pas belles, personnellement. Alors que celles-là, elles sont vraiment très bien faites. Hop, le numéro 2. Hop, juste ici. Il me semble que c'est celui-ci. De toute manière, c'est pas grave. Là, vous voyez, il est tout lisse. Mais parce que lui, il avait des cheveux. Donc, ils les ont vraiment bien faits avec les petits pics. Mais là, c'est pas très grave, honnêtement. Il y a moins de travail sur celui-là parce que voilà, il est tout lisse. Mais c'est vraiment pas très grave. Donc c'est le petit soldat maraudeur. Ensuite, il y a celui-ci. Hop, je vais pas tous vous les montrer, comme ça vous découvrirez vous-même. Hop. Donc moi je l'ai eu à 50€ le calendrier sur Micromania. Mais en plus de ça, j'ai la pioche Minty. Dont d'ailleurs il y a un concours sur ma chaîne pour la pioche. Hop. Ils sont vraiment très bien faits. Donc voilà. Hop, le dos, y a rien. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hop, je vous remontre vite fait. Touloum. Avouez que c'est pas très vous aussi, genre, d'avoir plein de calendriers comme ça. C'est stylé quand même. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Allez, tchuss.